yango. Comment le congrès s'est déroulé? Le négata ni manata le psa koke tambolaki. Nous avons eu 4 jours de congrès. Tosalaki na mikolomine ya manata le psa congrès. Ça commençait le 11 jusqu'au 15. Et bandaki du 11 au 15. Et nous avions eu beaucoup d'orateurs qui sont venus de toutes les instances de notre église. Nous avions la directrice de la conférence générale de ministère des femmes. Ok, la conférence générale à telle maman. C'est elle qui était l'hôte de marque. Et nous avions aussi un invité spécial. Et c'était le président de la division Afrique Centre-Est, Pasteur Rougouri. Azalaki Mokapinabiso, la division Pasteur Rougouri. Le président et le secrétaire général de la division, ils sont restés avec nous tout le temps du congrès. Président Mokominae, Batikalaki Nabiso, Tango Nosso, Tozalaki na congrès. Nous avions aussi le directeur des départements de la division. Tozalaki Pé, la directeur du département et la division. Nous avions la présence de 3 présidents des unions. Il y avait le président de Tanzanie de l'Est, Tanzanie de l'Ouest, et puis le président de Nekou, Nord-Est du Congo. Nous avons le président du Nord-Est du Congo, Tanzanie à l'Est et Tanzanie à l'Ouest. Nous avons eu le président des associations. Nous n'avons pas eu le président d'association. Nous avions aussi nos institutions qui étaient avec nous. Il y avait la Radio Mondiale Adventiste. La Radio Mondiale Adventiste. Le président de la Radio Mondiale Adventiste du Bureau Afrique, il était avec nous. Mon candidat, le président de la Radio Mondiale, a parlé d'Afrique, mon bimba, ça a été le bon abisso. Nous avons aussi un représentant de Hope Channel qui était avec nous. Nous avons aussi un représentant de Hope Channel, mon candidat, ça a été le bon. Le représentant de ADRA. Nous avons aussi un ADRA. Et le représentant de l'Université d'Afrique. Et nous avons aussi un Université d'Afrique. La cérémonie d'ouverture. A été présidé par la gouverneure de la province de Singida. Ah, gouverneure de la province de Singida. Cette femme est venue représenter la chef de l'État de Tanzanie. Voici wana ayaki kocha elongi ya mokonzi ya mboka ya Tanzanie azali mwasi. Elle s'appelle Samia Suluhu, la première présidente de la République de Tanzanie. Bongo na Samira, maman Mokonzi ya mboka ya Tanzanie azali présidente de la République. Et elle a été représentée par la gouverneure dans notre congrès. Gouverneur de la représentée qui est dans le congrès na biso. Dans son discours, na ekolobanaye, elle a beaucoup apprécié le travail du ministère des femmes en Tanzanie. Parce que le congrès s'est déroulé à Singida Bititi, c'est un centre de ministère de femmes de la Tanzanie. Pour le congrès, salemaki na kati ya province ya Singida mais na kati ya Bititi, où est le centre où basi ya Tanzanie, basi la kosa la bango moko. Ce centre a plusieurs constructions. Et c'est le travail des femmes. C'est comme ça, dans son discours, le gouverneur a promis de donner un lopin de terre pour que les mamans puissent élargir leur projet. Et elle s'est engagée à être la voix des femmes adventistes auprès de la présidente du pays. Amen. En ce qui concerne les enseignements, le premier jour, nous avons eu les séminaires, les différents séminaires suivants. La place et le rôle de la femme dans l'église par Dr. Debbie Maloba, qui est la directrice du ministère des femmes de la division Afrique Centre-Est. Et si ça, et si ça, et nous commençons à vous dire que ça, la Katia Ngomba,
Ce n'est pas docteur de médecin, mais c'est le docteur des études. Azali docteur le corps à mon gamaté, mais azali docteur il y a autant de l'Iloyantambi. Je dis l'université. Ah, t'as dit l'université, ok, doctorat. La place et le rôle de la femme dans le foyer. Et si tu as moi, si tu peux le léger à pour qui que ça, la moussa, la carte, c'est le bon temps. Donné par docteur Winifrida Mitekaro qui est la directrice des vieilles familles de l'ICITI. Séminaire à l'épisode qui ne fait pas docteur Winifrida Yoazali, directrice des vieilles familles. Nous avons eu encore le premier jour de séminaire sur la santé des femmes par docteur Fessaya Tsegae qui est le directeur du ministère de santé de l'ICITI. Donc, toi qui peux au étalé, beaucoup le moins à Joto et pas à docteur Fessaya. Et nous avons eu le séminaire sur la femme des prières. Par docteur Galina, qui est la directrice du ministère des femmes de la conférence générale. Peut-être que vous avez dit 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 la femme de prière. Ah, moi aussi, à ma beauté. Le deuxième jour, nous avons le séminaire sur les femmes et les opportunités du business. Celui qui nous a enseigné, c'était Elia Mwakalonge, qui est un businessman. Nous avions eu aussi le séminaire sur la mission des femmes adventistes vers les femmes musulmanes. Ça va être donné par docteur Debi Maloba. Le rôle des parents. Par docteur Winifrida. Et nous avons encore eu le deuxième jour un autre thème sur la femme des prières. Mon collègue va être aussi le sous-titre, mais mon sous-titre est moi aussi à ma bonne délire. Par docteur Galina. N'arrêtez pas à docteur Galina. Le troisième jour. Mon collègue a mis ça d'eau. Le rôle de la femme dans la communauté. Mon salaire à moi aussi n'a pas dit à l'époque. Donc, n'a pas dit ici à tout fendi. Docteur Rispa de l'Université Adventiste d'Afrique. Mon tapé ça qui puisse avoir dit docteur Rispa et à l'Université à Zéliankolo. Le ministère pratique. Nous avons reçu les témoignages de comment le projet de Cindy d'Haïti avait commencé par les mamans. Nous allons entrer en profondeur. Parce que c'était vraiment un bon modèle que nous aussi nous pouvons copier. Le témoignage a été fait par Myriam Samo, qui est la méfemme de Tanzanie et l'Est. Et le troisième jour, toujours, nous avons assisté à une parade des explorateurs de Hititi. Il y a 140 enfants qui sont encadrés par les femmes là dans le centre MFM de Hititi et ces enfants sont encadrés dans la GIA. Ce sont des explorateurs. Ces enfants, c'était les enfants de la rue. Donc, quand ils allaient dans le temps, il y a 140 enfants qui sont encadrés par les femmes de Hititi. Et ce sont ces enfants qui ont fait des parades et des chansons le troisième jour. Notre thème central autour duquel nous étions en train de tourner pendant les congrès, c'est « Femme en mission, découvre ton potentiel ». Chaque soir et chaque matin, nous avions des méditations et des temps de prière profondes dirigés par le président de la division et le secrétaire général de la division.
Et par-dessus tout, il y avait beaucoup de musique. Vous connaissez les Tanzaniens, ce sont des gens qui aiment chanter. Beaucoup de musique, beaucoup de danse. Et à la fin de notre congrès, nous avions aussi eu une visite guidée à Dar es Salaam du 16 au 21 septembre. Na suka ya congrès na biso to ketaki na visite na Dar es Salaam e bandaki du 15 kino au 21 septembre. Pendant les visites guidées, nous avons visité la conférence de Dar es Salaam et le projet des femmes de Dar es Salaam. Na kota de la visite na biso ko ume na biso na Dar es Salaam to visita ki association. Mais okay. Je sais, ce n'est pas l'association, ce n'est pas une mission, c'est l'association conférence parce qu'ils ont déjà atteint l'autosuffisance. Ok, donc visite qui association conférence, la biso et à Dar es Salaam, puis les salaires de ma maman, la biso n'a pas été à Dar es Salaam. Nous avons visité leur bureau, donc visite qui bureau n'a pas et les constructions qu'ils sont en train de faire dans leur concession. Ils sont très loin. Et nous ont motivés aussi à travailler pour Dieu comme ils travaillent. Nous avons visité aussi l'église locale de Kinyerezi. Et dans cette église, on nous a accueillis vraiment avec beaucoup de joie. Je crois que vous allez voir toutes les photos sur les réseaux sociaux. C'était merveilleux. Ton intimité, le moment de la photo, la bétadolité, la réseaux sociaux, ça a été plutôt comme une bonne école. Les mamans ont chanté à Lingala. Ma maman va y embarquer dans Lingala. Nous avons appris aux autres les Lingala et ils nous ont appris l'anglais et l'espagnol. Nous avons visité la plage de Dar es Salaam. C'était merveilleux. J'aimerais vraiment que chacune de nous ait l'opportunité de visiter une fois l'océan et la plage. Et nous allons comprendre certains cantiques que nous chantons et certaines histoires bibliques. Il y a un groupe de femmes, je crois 26 femmes, qui ont visité aussi Zanzibar. Zanzibar, c'est un lieu touristique connu en Afrique à cause de la traite des Noirs. C'était la porte par où les esclaves passaient. Et les mamans ont pleuré, elles ont fait couler les larmes en visitant les petits cachots là où on avait mis nos ancêtres avant de les amener en Amérique. Ma maman va les laquer, et c'était vraiment une expérience merveilleuse de pouvoir traverser l'océan Indien. Et de vivre les vagues. Nous avons visité aussi le grand marché célèbre de Kariakou. Kariakou, c'est le plus grand marché de l'Afrique centrale. Et nous avons découvert beaucoup de choses. Surtout pour l'entrepreneuriat, fabrication des savons, emballage. C'est au marché de Kariakou. Nous allons conclure en disant que le thème femme en mission, découvre ton potentiel. Et a été pour nous une source d'inspiration. Et nous prions Dieu que cette chaleur, to
ce réveil pe bolamukiwana que nous avons expérimenté à Tanzanie et que les kaki na bona mboka ya Tanzanie que ça puisse avoir des résultats positifs aussi dans notre union. Yango peut-être qu'on va poser dans le lengue pe ya malamu na kati ya union na nabiso apporter un changement aussi dans notre union. Yango enya na bongwa mito pe bolamuki na kati ya union na nabiso. Alors maintenant nous allons introduire ce nouveau slogan. Quand je vais dire femme à mission, vous allez répondre découvrir ton potentiel. Ça va? Moi je vais dire femme à mission et vous allez répondre découvrir ton potentiel. Ça va? Oui. Je vais dire ça deux fois. Et la troisième fois, on va se lever. Okay. Ça va? Ok. Femme à mission. Découvrez ton potentiel. Femme à mission. Découvrez ton potentiel. Femme à mission. Découvrez ton potentiel. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse Bambolabino. Que Dieu bénisse donc le ministère des femmes. Zababambola ministère Yabasi. De nous puissions découvrir tout ce que Dieu a en fait à nous. Et que nous puissions les mettre à la disposition de la mission. Et tiens à mon akati à Mosala. Au nom de Jésus, amen. Na kombo na Yesu, amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes béni. Chauffer.